a des causes qui méritent qu'on y consacre une vie. Entre lutte quotidienne pour la cause des femmes et jeunes filles togolaises en danger, la cause des enfants et son métier de notaire, notre nana du jour a de quoi impressionner. Son sujet de prédilection, la promotion et la protection des femmes. Et cette cause, elle le porte à bras le corps et toute sa vie tourne autour de ses nombreux engagements. Bienvenue dans votre émission qui met en lumière des femmes au parcours extraordinaire, la crème du leadership togolais. Michèle Aguet, notre nana d'aujourd'hui, n'est plus à présenter. Figure de proue de la société civile togolaise, elle est le symbole de tout un combat. Elle se décrit comme une personne effacée, mais ses principales luttes parlent pour elle. D'ailleurs, Madame Aguet dirige le GF2D, une organisation qui prend fait et cause la question du genre. Son rêve ultime, un monde équilibré dans lequel les filles et les garçons auront les mêmes valeurs. Pour moi, la question de discrimination des femmes, de violence que les femmes subissent constitue une pire forme d'injustice. Et il est important de pouvoir veiller à ce qu'il y ait un monde plus équilibré dans lequel les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. Un monde plus équilibré dans lequel les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes opportunités. Je dirais que déjà, de par la formation que nous faisons, parce que nous, le GFDD, dont je suis membre, a commencé ses activités par des formations de parajuristes, des formations d'un certain nombre de femmes leaders et d'hommes leaders. Ces formations-là ont déjà eu des effets sur ces personnes-là. Ces formations ont amené ces personnes-là à s'engager pour une société plus équilibrée, pour une société plus équitable. Donc nous avons aujourd'hui au niveau du pays plusieurs associations ONG qui ont été formées, qui ont été créées par des personnes qui, à la base, ont été des personnes formées par le GFDD pour mener des sensibilisations sur le terrain. Au-delà de cela également, nous sentons aujourd'hui qu'il y a quand même une prise de conscience de la population togolaise du fait que les droits humains sont des droits qui sont reconnus aussi bien aux hommes et aux femmes et que lorsqu'un être humain porte atteinte au droit d'un autre, il peut être l'objet de poursuites. Donc il y a cette prise de conscience-là qu'il y a et nous pensons que lorsque nous continuons nos actions, nous irons vers une société plus équilibrée où il y aura un respect total des droits humains. Les inégalités sociales et la justice sont des valeurs importantes pour Michèle Aguet. Son métier de notaire, elle l'a d'ailleurs choisi pour contribuer à pacifier le monde. Mais elle reste consciente que le chemin est encore long à faire pour la femme togolaise. Pour moi, ayant eu à faire des études de droit à l'université, je me suis dit que le notariat étant considéré comme également un moyen de règlement des conflits à l'amiable ou bien de prévention des conflits, c'est une voie dans laquelle je me suis engagée parce que c'est un moyen aussi d'accompagner la population à éviter un certain nombre de conflits sur le plan juridique. Je me dis que le Togo s'est engagé à une promotion de la femme, à une protection des droits de la femme, et ce qui fait que sur le plan juridique, sur le plan des instruments juridiques, nous avons un certain nombre de droits qui nous sont reconnus. Mais dans la réalité, nous constatons que la femme togolaise continue de souffrir. La femme togolaise continue de faire face à des discriminations. Nous avons toujours des situations de filles qui sont mariées contre leur gré. Nous avons toujours des situations de violences diverses, violences au niveau des foyers, violences au niveau du système éducatif ou dans le monde professionnel. Même quand nous parlons de la question de la participation politique des femmes, les femmes continuent de subir des discriminations. Donc il faudrait que la réalité de la femme togolaise soit conforme à ce que les instruments juridiques prévoient, à ce que les tests juridiques prévoient. Vous l'aurez compris que le combat de Michèle Aguet est noble et mérite vraiment qu'on l'applaudisse. Mais Michèle, qui est engagée contre les violences sexuelles au Togo, estime que les hommes doivent être une partie de la solution. Nous avons une société qui est composée de femmes et d'hommes.
Et nous disons que la question de la violence faite aux femmes et aux filles est un problème de société. C'est un problème qui affecte toute la société entière. Et même si nous disons aujourd'hui que les violences sont perpétrées essentiellement par les hommes et par les garçons, il faudrait que nous puissions nous interroger sur le fait que les facteurs qui amènent ces hommes et ces garçons-là à commettre ces genres de violences. Et si nous voulons trouver une solution à ces violences-là, il faut forcément les impliquer. Il faut impliquer les femmes, les hommes et les garçons dans la recherche de solutions aux causes de violences qui se posent. Donc, les impliquer également, c'est amener, par exemple, certains hommes, certains garçons qui sont vraiment conscients du problème, qui eux-mêmes déjà, dans leur vécu quotidien, s'engagent à promouvoir les droits de la femme, à protéger les femmes contre les violences. Que ces hommes et ces garçons qu'on considère comme des champions des droits des femmes puissent s'engager officiellement et qu'ils puissent partager leur expérience. Donc, c'est à partir de leur expérience que d'autres hommes peuvent quand même changer. Mais nous voyons également que travailler avec les hommes les amène à prendre conscience des méfaits de la violence et les amener à changer de comportement. Donc, c'est tellement important de pouvoir les impliquer en tant qu'acteurs de changement. Mener un combat pour la femme ne semble pas de tout repos. Notre Nana et son équipe font des actions au jour le jour pour atteindre leur objectif. Pour faire évoluer la condition féminine au Togo, il faut essentiellement passer par l'éducation. Les actions que nous menons contre les violences basées sur le genre sont des actions de deux ordres. Donc d'abord les actions de prévention et les actions de prise en charge. Dans le domaine de la prévention, nous travaillons avec plusieurs acteurs sur le terrain, des acteurs communautaires, des parajuristes qui font beaucoup de sensibilisation, qui attirent l'attention de la population sur le phénomène des violences, sur les conséquences de ces violences-là, et essaient de travailler avec les communautés à la base pour trouver des solutions aux causes qui engendrent les violences. Également, nous travaillons sur la question de la prise en charge. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, des personnes qui sont déjà victimes de violences, nous les accompagnons pour la résolution de ces cas-là. Il y a l'accompagnement judiciaire qui se fait, il y a l'accompagnement médical, il y a l'accompagnement psychosocial qui se fait également. Pour la jeune femme ou bien la jeune fille togolaise, il faut d'abord commencer, la base sera la question de l'éducation. Il faut pouvoir donner une éducation de qualité à cette jeune fille, à cette jeune femme, l'amener à avoir confiance en elle-même, l'amener à prendre conscience qu'elle est elle-même actrice de son avenir. Ce qu'elle veut faire de son futur, il faut qu'elle-même se mette au travail et qu'elle construise son avenir. Il ne faut pas qu'elle se dise que mon avenir dépend d'une tierce personne. Il faut qu'elle se dise que aujourd'hui, si je veux être un être responsable le lendemain, il faut que je puisse commencer par pas travailler sur moi-même. Il faut qu'elle prenne conscience également qu'on ne peut réussir dans la vie que par le travail. Quand vous voulez réussir, quand vous voulez atteindre vos objectifs, il faut que vous vous mettez au travail pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous venons de découvrir Michel Agué, secrétaire général du GF2D. Retrouvez cette émission sur nos pages sociales. À très bientôt pour un nouveau numéro.